En fait, je tiens également à souligner que Equinox, qui est Gakko, le notaire, Charles, en même temps, il a un autre talent caché que vous ignorez. C'est que le gars, il fait tout. C'est un gars qui aide sur le plateau comme il est. Donc, qui s'est démarqué naturellement. C'est-à-dire que si vous avez besoin de déplacer tout sur un autre plateau en deux secondes, avant même qu'on lui demande de faire, d'aider, il est déjà là. Pourquoi vous êtes comme ça? J'aimerais savoir. Vous êtes une star. Pourquoi vous rabaissez à porter les trépieds, les... Comme les Ramsès, comme ça. Voilà. Voilà, vous avez vu comment il a attrapé les pieds de Lamine tout à l'heure, c'est-à-dire que... Pourquoi? Non, en fait, c'est mon naturel, hein. C'est ma personnalité même. C'est-à-dire l'éducation que les parents m'ont inculquée. Ne jamais rester les bras croisés. Peu importe là où tu es, peu importe ton âge, peu importe ta grandeur, ta taille et autres, il faut toujours être au service des autres. Il faut toujours te dire que ce que tu laisses en disant que d'autres doivent faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où tu penses que d'autres vont le faire, eux ne pensent que quelqu'un d'autre vont le faire. Finalement, ça reste là. Personne ne le fait. Alors, si tu penses que une tasse est posée là, ça gêne, n'attends pas qu'il y a peut-être une domestique quelque part qui viendra porter. Tu as les mains, tu as les pieds, va, tu fais, tu dégages. Il fait jusqu'à la vaisselle, il fait tout. Non, tout, moi je fais tout. Tu ne m'as pas su. C'est ça, non, Lamine? Non, là, moi je me plains pas. Je sais pas, même sa tasse, tu peux même lui donner sa tasse, t'as pas ça, hein? Voilà, c'est ça, ouais. Alors. Madame Tiki, je suis maître Bilon, le notaire de votre mari. C'est pour son testament. Oui, madame. Il y a une semaine, il est passé à mon cabinet déposer ses dernières volontés. Et il tenait à ce que vous soyez informé de son contenu juste après son enterrement. Voilà pourquoi j'ai dû attendre que tous les invités soient partis pour vous en parler. D'accord. Mais monsieur, vous voulez quoi? Sophie! Mais monsieur, Sophie, c'est encore qui? Monsieur, dégagez. C'est sa fille. Et alors? Mais ma fille, c'est pour bloquer le bébé. Mais monsieur, foutez-moi la paix. Monsieur, si c'est votre fille, ramassez votre machasse et Sophie, s'il vous plaît. Sophie. Mademoiselle, descendez. Il faut passer avec ton papa. Regardez-moi ça. Descendons. C'est bon, hein? C'est bon, on va partir. Asseyez-vous bien. Il faut juste être patient. Comme tu vois, depuis que tu déposes les dossiers dans les entreprises, tu n'as pas encore eu un seul entretien. Ce n'est pas facile. Tu es vraiment naïf. Yvonne m'a dit que le circuit était bouché. Alors j'y jette un œil. Pourquoi tu voulais quelque chose? Tiens. Entre là-bas. Demain, t'as qu'il a déjà accès au fond de l'eau. Attendez un peu, pardon. Sors. Oh, Christian! C'est pas vrai. Ça fait un bail. Comment tu vas? Ah, Jean, je vais bien. Et toi? Non, ça va. Mais pourquoi vous êtes passé par la porte derrière? Laisse, tu sais, avec les réflexions que tu as faites ici, je me suis égaré. Désolé, Christian, je t'ai pas dit au téléphone. Je te présente mon épouse. Au revoir, chérie. Au revoir, mon bébé. Maintenant, tu sais, mon petit, mon bébé. Au revoir, mon bébé.